we sail the seas, a fearless crew on a quest for peace. From distant lands we journey far in search of glory beneath the stars. Strong like the... Au revoir, Smogen. Au revoir, Smogen. Bon, il y a des travaux. Aujourd'hui, il fait un peu moins beau. Et ouais, puis là aussi, c'est joli. Hein. Ouais. Et de l'autre côté, il y a un petit jeune. Bon, là, ils sont en train de refaire le pont. Donc, c'est un peu moins joli, évidemment, de ce côté-là. On va prendre ce côté-là. Aujourd'hui, c'est couvert, ils annoncent couvert, et demain, ils annoncent du vent, beaucoup de vent. Quel bonheur ces paysages. Alors, ils ont beaucoup, beaucoup des bateaux hein, ici. C'est un peuple très, très maritime. En même temps, il y a de la flotte partout, ne serait-ce que d'avoir une barque. Maisons sont vraiment perdues là, ça fait une vingtaine de kilomètres qu'on roule. Il n'y a pas de clôture. Donc là on s'en va à False Baccara. Voilà, à Vosui. Donc là on arrive à False Baccara. À 300 mètres, franchissez le rond-point et prenez la première sortie. Entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. Donc le GPS, aucun souci hein, dans tous les pays pour l'instant qu'on a traversé, donc 5 frontières déjà, zéro problème. C'était pour te dire qu'on pouvait... À 300 mètres, tournez à gauche, vers Falk. Ah, le camping, il est par là. Vous arriverez à destination sur la droite. Donc là, on va se mettre sur un emplacement réservé camping-car pour la visite. Et ce soir, on va aller au camping parce que j'ai des montages à faire. Prenez la prochaine à gauche, vers Falk, puis vous arriverez à destination sur la droite. D'accord. Ça, c'est pour pouvoir stationner dans la journée. C'est gratuit. Oui. Ah non, c'est gratuit pour la journée. Si je te le dis. Voilà, donc on s'est garé là pour la journée. Il y a 5 places en fait pour les camping-cars. Donc là c'est gratuit, là c'est pour les voitures, c'est payant. Donc là on a pris les loulous, s'il fait pas trop chaud aujourd'hui. Et on va vers l'église. Donc on est stationné tout en bas, ça grimpe bien. Donc l'église.
avec la vue sur un fjord. Donc là, on est à... On vous a dit le nom tout à l'heure. Donc là, il y a des travaux. C'est pour ça qu'il y a des petits sacs de sable. Ils sont en train de faire des petits travaux, là. Alors, au niveau... Quand on marche, il y a des cailloux partout. Hein. Regardez-moi cette vue. On voit le port, là. Je vais essayer de vous agrandir tout ça. Donc là, on voit l'eau, ici. Regardez cette maison là-bas au fond, avec des roches, hein, toujours partout. Petite boutique. Et là, on va descendre vers la ville. Donc ça descend un peu là. Driving down the highway, feeling the breeze. Saxophone playing, I'm on a journey. No trees can be caught adventure, gonna travel far. No destination set, just following the stars. Sing it loud, windows down, feeling so free. Every day's a new adventure. Can't you see? Saxophone melodies that take me away on this road trip crazy. C'est parti. Allez pas à la flotte, les gars. Je promène les deux loulous. Regardez si c'est joli. Donc ça, c'est un fjord. Allez, on y va, les loulous. Regardez-moi ça, si c'est joli. Oh, là, monsieur. J'étais partie à la poubelle parce que Django est une vraie machine à crotte. Donc, tout le temps. Bah, les Drakkars, Ragnar Lodbrok, il est parti, ouais. Il est parti. De toute façon, ils ont arrêté le film, hein, tu le verras. Là, on est garé juste derrière l'église, enfin derrière la pierre là-bas, parce que bon, évidemment, vous avez vu le centre-ville, c'est pas accessible en camping-car. Mais on est vraiment juste à côté. Là, il y a un petit banc. On va passer un petit moment, s'imprégner un petit peu. Ça, c'est le stationnement pour les rigolos. Ici, le nom du port, c'est Ingrid Bergman. Cette petite ville est dédiée à cette actrice. Alors, je ne sais pas si elle était d'ici. Donc, on a plein de photos commémoratives. On va parler. Visiblement, elle était d'ici. Ou une maison ici, peut-être. Je ne comprends pas le... Donc là, il y a une balade ici à faire. Pour monter, là. Bon, c'est vraiment beaucoup de marche. Let's go. Oh, les chats. Il y a des chats. Oh, où est-ce qu'il y aurait des chats ici? Oh, chat. Chat, chat, chat. Oh. Ça, c'est un restaurant, puis on peut laisser son petit chien dans la niche. Bon, je déconne.
Voilà, on a une petite place là. Du coup, on va mettre celui-là, la Suède. C'est dans son sac que je ne mets pas à l'envers. Allez, un de plus. Sweden. Sweden. Et voilà. Un plus. Danemark. Suède. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu hein, pour ce qui est la partie Smoden et Falken. Falbacar. Là, on va se poser dans un camping un petit peu parce que j'ai tellement de rush de montage, je ne vais plus me retrouver les petits. Il faut que je me pose et que je monte les films. Allez, des gros bisous, portez-vous bien. Et à tout bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas les petits pouces et abonnez-vous. Oui. Donc pour cette nuit, on a décidé d'aller au camping. Donc c'est un petit camping municipal hein, qui est le prix d'un parking en fait. Et voilà où on nous a placés. Super génial. Donc il ne faut pas aller trop loin. Hein. Il ne faut pas se tromper dans la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. Et là, vous avez un signe. Donc là, je vais monter des films. Parce que j'ai pas mal de retard. Évidemment, on visite toute la journée. Donc... les SD sont pleines, donc il faut que je vide et que je monte. Donc du calme, camping municipal, si on peut dire, parce que ici c'est du 5 étoiles pour nous en Normandie. Ça. Donc là les loulous sont bien. On est au 347, on continue avec les 7. Joli hein. Ah super. Super beau, c'est calme. Voilà. Donc on a mis les cales, hein, on ne sait jamais quand même. Et très 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 joli. Donc là il y a un beau flair qui est là aussi. Donc c'est toujours un peu tarabiscoté parce que évidemment il y a des pierres partout, vous voyez. Donc il faut trouver les endroits où se mettre. Donc il y a vraiment personne, il y a un autre camping-car et puis quelques caravanes mais qui sont là visiblement pendant longtemps. Et puis je vais être bien au calme et tout pour travailler. Parce que là, la Suède, c'est... Hein? Ah ouais, non. Parce que là, la Suède, franchement, nickel. Et les gens sont gentils. Ah ouais. Les gens sont gentils. La dame, c'était un amour. On trouve facilement pour se garer. Ouais, ouais, ouais. Pour les camping-cars, c'est vraiment bien. Ouais, ils nous mettent des panneaux camping-cars partout. Donc ça, c'est payant. Hein, Et ça varie entre 10 euros et... ici, on a payé combien? 347, ça fait 34 euros. 34 euros avec électricité. Voilà, mais bon. Django. Django, tu viens ici? C'est pas chez toi là-bas? T'es là. Donc on attache toujours Melchior, sauf en ville, Django aussi. Parce que bon, les lévriers, ils aiment pas trop. Lui, il aime bien être comme ça tout autour, à nous tourner autour. Donc on a Salaise s'il était passage. Mais on l'attache qu'en ville. Donc là, il y a quelques mobilhomes à l'année, hein. À la caravane, regardez cette vue. Voilà, donc les emplacements sont hyper grands, parce que vous voyez, le 347 va jusqu'à la petite barrière, là. Bon, j'aurais pu le décaler encore. Et là, notre emplacement va jusqu'à l'autre barrière, là, le début de l'autre barrière. Est en train de monter, donc on aime bien de temps en temps faire un gros déballage. Ah, on s'installe, hein. On s'installe. Bon, quelquefois on reste, on dit une nuit parce que bon, on est assez vadrouilleur, hein. Comme vous le savez, on aime bien bouger, même si on fait 10 km. Aujourd'hui, on a fait 38 km, donc vous voyez, c'était pas une grosse étape, mais si on se sent bien et que j'ai pas fini mon travail. Il n'y a aucune urgence. Hein. Aucune urgence. On reprendra une nuit. C'est bien, là. Donc, on a nos voisins qui viennent d'arriver. Alors, c'est rigolo parce que c'est des Danois.
et nous expliquer, pour ce qu'on en a compris, que dans 3 semaines, ils allaient à Annecy, en Haute-Savoie, en France. Donc c'est marrant, l'immigration. Alors on va vous souhaiter à Joël la sortie. C'est un grand jour aussi. Hein. Ouais, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est nos 35 ans de mariage. Et oui. Voilà. 35 ans. Allez. Donc petit rosé pampe, whisky. À nous. La vie, quoi. À nous. À nous deux. Et à longues années encore. Au moins 35 ans. Hein. Pour les spécialités, ici hein, on est en bord de mer, ils font beaucoup de poissons comme ça, séchés, légèrement fumés et poivrés. Donc on a la même chose en fait en saumon et dans tout un tas de poissons que je ne connais pas, ça c'est du maquereau. Et donc il y a vraiment des étalages de ça dans la boutique. Donc on mange hein, saumon, poissons séchés. Donc on a une radio sur panneau solaire, vintage, trop mignon, non? Donc là, elle est en charge sur panneau solaire. Voilà, et voilà, ça se recharge tout seul, pas de pile. Donc là, on a les desserts suédois, donc c'est des petits gâteaux à la cannelle. Que je vous recommande, c'est vraiment une tuerie. Tu manges ton fromage? Ouais. Du titsiter piquant. Et des feux de camembert. Ouais, Joël. Et des feux de camembert. C'est à moi qui aime bon camembert. Ouais, Joël veut du camembert absolument, mais je lui dis que en Suède, tu manges du fromage suédois, puis c'est tout. Ouais, tant pis. Avec du vin de France. Ah oui, quand même. Tu bois quoi comme vin, tu vois? Un petit merlot. Très bien, c'est mignon. Voilà. Moi je bois pas de vin rouge, j'aime pas ça. Donc j'aime bien un petit peu de rosé, éventuellement pamplemousse pour l'apéritif, c'est tout. Voilà. Et ça, je vous le recommande. C'est notre dessert pour nos 35 ans. TVO-tiedot asiasta lisää sitten myöhemmin. TV on mukaan tapahtumalla, ei ole vaikutusta ydin turvallisuuteen. On vous fait écouter du suédois quand même. Kertoo käynnistäneensä varavoimalaitoksia tilanteen välittömän hallinnan vuoksi. Fingridin mukaan tilanne kantaverkossa on normalisoitunut. T'es joli, hein? Je sais pas ce que dit, mais j'adore. Joyeux 35 ans. Oui, si. On a oublié les bougies. Hein. Ah, pas de bougies. Tant pis, en passant. À bientôt. Il court dans le jardin. Melchior, mon petit chien. Son regard pétillant. Mon cœur bat maintenant, ses pattes dans la rosée, le temps s'enfuit pressé, ton museau blanchissant, toi mon tendre enfant. Melchior en amour, des moments si courts, mais notre lien si fort. Chante encore et encore ses yeux si pleins de vie, mes rires et mes envies dans ses câlins délicats, mon bonheur est là. Le temps file trop vite et mon cœur il s'agite, mais chaque instant passé reste gravé. Melchior, mon amour, des moments si courts, mais notre lien si fort, chante encore et encore. Le temps.
bas du Tupèche, on se dit il va où. Et des petits oies. Papa, maman et les petits. Ouais. Des familles entières de petits oies. Une autre famille là-bas. Papa, maman et les bébés. Trop mignon. Il est petit. Il y a le drapeau suédois là-bas. Là, on devait l'avoir là. C'est bien joli. Alors ça, c'est un petit village qu'on visite par hasard. Hein. On se demandait en fait où allait le bras du fjord où nous étions en camping-car. Et bon, tout est joli, évidemment. Enfin, évidemment. On est venu un petit peu pour ça. Mais c'est vraiment joli. On a la chance d'avoir... C'était couvert ce matin et on a un immense soleil. Quand la mer est remontée, elle a chassé les nuages. Et du coup, bah, au bord de l'eau, il fait super beau, quoi. Alors, il ouais, y a un autre drapeau là-haut. Super là. Hein. Plus ce serait insupportable. On a mis Bumblebee et Dark Vador là-bas. Donc on a une immense chance à cette époque. En juin, ben, il n'y a pas grand monde. Peut-être après, en juillet, août, on ne sait pas. Mais pour l'instant, on est tranquillou.
Ah ben, ça va pas si loin que ça finalement. Il y a un rocher. Alors je me demande si c'est pas une entreprise de poissons là-bas derrière. Je refilme dans l'autre sens parce que comme j'étais en plein soleil, j'ai peur que vous ne puissiez pas voir le paysage. C'est quand je vais monter le film, je m'aperçois que c'est... Il y a vraiment trop de lumière éblouissante sur le film. Oups là, un trou. Si c'est surexposé. Ouais, on a la ville pour nous toute seule, enfin tout seul. C'est vrai que c'est vraiment une bonne époque pour visiter parce qu'en plus là on est, je sais pas si on est lundi ou mardi ou mercredi, j'en ai aucune idée. On est quel jour aujourd'hui? On est lundi, mardi ou mercredi? On est quel? Ah, on est lundi. Donc le dimanche, peut-être qu'il y a un peu plus de monde, bien que je m'attendais à voir des pêcheurs, parce que c'est quand même une ville de pêcheurs. Et ben non, il y a du monde là, mais de l'autre côté, il y a des bateaux de pêche. On se disait, on va peut-être pouvoir acheter de la petite friture ou des choses comme ça. Oh, regardez, ça c'est comme des coquelicots, mais orange, magnifique, j'adore. Alors, ces maisons, elles sont... Trop joli. Hein. Ah, deux personnes. Il y a deux personnes en Suède. Regardez ces maisons avec les bateaux devant. Juju. Oui, c'est pourquoi. Voilà, il est 22h. Regardez la vue qu'on a du camping-car. Et là, devant, juste en face de la mer. Et Asseline qui est toujours en train de travailler pour vous. Regardez la vue qu'on a. Oui, il est très rideau. On verra très bien.
Voilà. Je lui dis bonne soirée. Parce que pour nous, c'est le soir. Donc il va pas faire pénombre avant minuit et à 4h il fait jour. Voilà. Et j'en ai son nom. Mais c'est bien agréable. On profite. Et je travaille beaucoup. J'ai tellement de rush en fait. Et j'avais préparé beaucoup de musique. Hein. Vous m'entendez souvent faire mes musiques. Puisque je fais mes compositions, musique et paroles. Et je vous mets tout ça. Et puis voilà. Et il y en a qui sont vraiment très très bien là, regardez. Ils se font câlin. Les deux frangins. Ça dort. Ils ont fait une grande balade aujourd'hui. Oui, ils sont fatigués là. Ils aiment plus beaucoup marcher très longtemps. Enfin, très longtemps. On était partis, quoi, une heure. Non, mais c'était vite à leur âge. Ouais, ils sont trop vieux maintenant. Un peu comme nous. On les sort beaucoup. Une petite balade de 500 mètres, puis après, ils en ont marre. Mm. Ils sont vieux. Notre bulldog, il est vieux et très essoufflé. Voilà. Voilà. Allez. Les groupes, tout. Vous avez vu, on a pris des couleurs. Hein. Ah oui, il fait bon aujourd'hui encore. 3 jours à 26 degrés, ça y est. Enfin, moi, avec une peau de rousse, j'arrive à prendre un peu de couleur. Hein. Mm. Allez, portez-vous bien, à tout bientôt. À bientôt. Et oui, je travaille toujours. Je vide des caméras encore et encore. Regardez. Là, il vit. Et Joël est en train de regarder un film sur sa tablette. Il est quelle heure, voyons. 22h56. Oui, donc il fait toujours jour dehors. Et oui, toujours jour. Ben oui. Bon, je vais continuer encore une ou deux et puis après dodo, hein. Allez, des poutous. Il y a beau dire. La Suède, c'est vraiment joli. Très très beau pays, avec de grands espaces et un paysage magnifique. Je vous fais découvrir ça. Sur la route vers Norvège, un pays tout découvert. C'est de si belles sacrées privilèges, parfum d'amour. Dans l'air, couleur éclatante jour et nuit, rivière qui brille doucement, dans tes bras rêves infinis, ici le bonheur est constant. Oh douce Suède, terre d'amour, chaque moment doux comme velours. Des couleurs remplissent nos cœurs, Suède douceur au bord de l'eau. Ensemble marchons le long des plaines, écho des rires sous le ciel clair. Suède douce au bord de l'eau. Le vent murmure ton nom, laissons-nous emporter. Chantons ensemble cette chanson, notre amour ici à jamais. Le vent murmure ton nom, laissons-nous
nos cœurs suède douceur au bord de l'eau. Baroudeur 2 face à la mer. Sur la route vers Capman, les îlots-fautes m'appellent encore. Dans mon cœur brûle le feu des anciens qui déparent les étoiles. Je trace mon chemin. Les vagues de la mer me bercent doucement. Le vent rugit, je suis libre, indépendant. Mon navire vend les flots.